Salut Mickaël, je vous ai pas fait trop attendre, ça va? Avec Bonjour. Le froid qu'il fait. Excuse-moi. C'est plus ce que c'était, Hubert. Ah bon? Excuse-moi. On avait le droit à une bouteille d'eau, des bonbons. Je suis désolé. On monte devant. Je veux pas dire que je suis en promo, mais j'ai participé au premier film de Michel Larocque, qui s'appelle Brillantissime tout court, mais c'est tiré d'une pièce qu'elle avait écrite qui s'appelait Mon Brillantissime Divorce, et puis voilà. Tu étais venu souvent à TPMP? Bah Cyril, c'est un copain. Bon ça va, tu es avec les chroniqueurs, tu t'entends bien? Celle que je préfère, c'est Isabelle. Une fois dans l'émission, où on était en train de discuter avec Cyril, je sais pas, on parlait de promo ou je sais pas quoi, et d'un coup elle se met à hurler, elle fait « Oh !» Cyril la regarde, il fait « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Oh non, c'est parce que dans le public, j'ai une amie !» T'as cru que sous prétexte que l'ambiance s'est détendue, que ça y est, on a qu'à faire comme s'il n'y avait plus de téléspectateurs? Ah bah de toute façon, moi dès que les gens sont un peu tarés, ça devient très vite des amis quoi. Mais ça te manque de faire de la télé? Je veux faire un morning live, mais le soir maintenant, un evening live. Voilà, un late night show où je suis habillé en veste, je suis dans une voiture avec des caméras, je conduis les gens à, par exemple à une émission, et puis je leur pose des questions, et puis on va déconner. Jean, il te lance un défi. Je te laisse 5 minutes pour être antipathique. Et après, j'ai le droit de leur dire que c'est pour de faux ou pas? Après, t'as le droit de leur dire que c'est pour de faux. Il a pris une photo en secrète en passant comme ça. Là. Attends, deux secondes. Je crois en passant, il vous a pris en photo. Vous m'avez pris en photo? C'est 10 euros. Non, je promets que non. C'est 10 euros. Non, mais je veux pas voir tes billets, je veux voir les photos que t'as pris tout de suite. Je peux montrer mes photos. Non, mais demande-lui 10 euros, c'est plus simple. Donne 10 euros. Donne 10 euros. J'ai pas d'argent, je vous promets que. Mais t'as bien 10 euros, donne 10 euros. T'as pris une photo, c'est 10 euros. Je n'ai pas d'argent. Donne 10 euros. Montre-vous ta veste, fais voir c'est quoi. Non, 10 euros, je veux 10. Eh, tu te démerdes, je veux 10 euros. Il m'a pris en photo, je veux 10 euros. Non, mais je n'ai rien fait, je voulais. Ouais, mais là, il faut au téléphone. Non, mais monsieur, je fais pas de photos avec les gens de couleur, moi je suis désolé. En plus, vous êtes. Parce que je suis du Front National. Ah, eh, ça passe pas, frère. Je peux pas. Bah, si vous revenez et qu'on voit pas que vous êtes noir, je veux bien faire une photo avec vous, mais moi je suis du Front National, donc je peux pas faire une photo. C'est une caméra cache. Il commençait, il tremblait. Ça, tu l'avais grillé, mais j'ai vu que tu regardais. Toi, t'étais souriant. Mais lui, il était dans l'émotion, il voyait rien. Merci, les gars. Ouais, bien sûr, bien. C'est pas vrai, papa. C'est une caméra cachée. Ok. C'est bien. Ah, bien sûr, je voulais prendre une photo avec vous. Hein. Oui, en revanche, vous la postez pas. Hein. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Bah, vous êtes trop moche. Merci, les gars. Défi réussi. Ah, je sais pas, en tout cas j'ai pas aimé faire ça. Tu t'es empressé d'aller dire que c'est une caméra cachée. Oui, parce que les gens ils tremblaient quoi. Ouais, j'ai vu. Tellement on les agresse, les gens ils ont peur. Je t'ai pas demandé si tu voulais écouter de la musique. Well, I remember. Feel it coming in the air tonight. Oh Lord. It's not unusual to be loved by anyone. Love to love with you. What you want to do? La voiture est le dernier endroit sur Terre où tu peux écouter la musique que tu veux au volume que tu veux. Tu peux même écouter des chansons de merde. Ah bah tiens, transition toute trouvée. Alphonse Brown. La puissance du port du Havre, son nom c'est Alphonse Brown. La culture de la betterave, ce matin va être une pure soirée où on fait oh et oh, oh oh oh, oh et oh. Tranquillement à base de tranquillas, fatal. Pépermont à base de pépérat. Oh, mais qu'est-ce que je fous avec elle? Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Ouais, tranquillement, ouais, gros, tac-tac, bang-bang. Ouais, gros, c'est Fatal Bazooka. Fatal Bazooka! Quand c'est hiver, quand ça fait froid, tu as une chose à faire, gars, écoute ça. Eh mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Fous ta cagoule! Fous ta cagoule! Tu t'en te saoules, t'en es calme, tu m'en me saoules, tu m'en me saoules! Fous ta cagoule, ouais! Fous ta cagoule! Sauf à Kaboul! Sauf à Kaboul! Sauf à Kaboul! J'ai avec moi un objet que tu connais bien. C'est moi de quoi tu veux me parler? Oh là là!
Alors normalement, il faut le mettre thermostat 10, hein. C'est là que c'est le meilleur. Je voulais que tu me fasses, au lieu de dire le morning live, que tu me trouves quelque chose en mettant touche pas à mon poste à la place. Ok, alors on a ça en magasin. Alors, ben... Fatigué ce voyage en voiture, est-ce que tu peux plutôt que me ramener à TPMP, tu peux me ramener chez moi? Ton chroniqueur préféré? Cyril Hanouna. Celui que tu aimes le moins? Cyril Hanouna. Le chroniqueur que tu pourrais pécho? Zemberg Gad. Zemberg Gad. Avec qui tu pourrais partir en vacances? Cyril, mais il n'y a pas que lui. Hein. Benjamin, Titoff. Il y a peut-être Gilles Verdez avec qui je voudrais pas partir en vacances. J'aurais trop peur qu'ils me gueulent dessus dès le matin en disant « Mais c'est eux! Mais vous voyez pas que c'est de la merde! Ils sont pas du tout comme il faut! Et ce bacon! Mais c'est un chier! C'est une honte! Fatou! » Le plus beau? Mathieu, il est beau, hein. Il est tellement beau, on pourrait en faire une table basse. Tellement qu'il est droit. Ah, ouais. Il est droit comme ça. Le plus faillot? C'est Jean-Michel. Il est quand même bien, bien faillot, Jean-Michel. Celui qui a le plus le boulard? Jean-Michel, c'est Jean-Michel aussi. Bon, là, on arrive dans 5 minutes, on y est. Mais c'est vraiment, c'est très long comme voyage quand même. Bah, je sais. C'est très long parce qu'on est quand même parti mardi et là, on est jeudi, quoi. Mickaël, j'espère que t'as passé un bon moment. C'est fatigant quand même. Si à chaque trajet en taxi, il y a autant de choses à faire, je vais pas y arriver. Hein. Merci Thomas. Merci à toi. Merci Mickaël. Au revoir les copains. À bientôt Mickaël. Ciao. Salut Mickaël. Bon, je ferai pas ça tous les jours.